Vous êtes africain et vous endurez beaucoup de peine pour recevoir vos paiements ici de vos différents business en ligne. Cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de comment créer un compte PayPal complet en Afrique pour recevoir et envoyer de l'argent. Nous allons découvrir comment créer un compte PayPal professionnel et se passer des restrictions que PayPal a infligées à la plupart des pays africains. Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne, c'est Jean-Pierre de NKBNS Plus. Ici nous parlons du business en ligne, de l'entrepreneuriat et l'investissement en ligne. Si vous êtes intéressé par ce genre de vidéos, nous vous prions de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. La suite après ceci. Comme dit dans l'introduction, l'Afrique est toujours mise à l'écart quant à l'évolution technologique dans les numériques. Vous pouvez imaginer que les plateformes comme PayPal et Stripe ne soient pas totalement établies en Afrique comme elles le sont en Amérique ou en Europe. Par exemple, si vous créez un compte PayPal personnel en Afrique, ce compte sera limité seulement à l'achat des biens sur Internet. Il ne peut pas vous permettre de recevoir ni d'envoyer de l'argent dans le monde entier. Néanmoins, il est possible de créer un compte PayPal professionnel et jouir pleinement de celui-ci en envoyant et en recevant de l'argent tout en étant en Afrique. Alors, la suite de cette vidéo, c'est un mixage de mon ancienne vidéo dans laquelle j'avais montré comment créer un compte PayPal business ou professionnel. Alors, suivez la vidéo attentivement. Vous avez besoin d'une chose. Premièrement, vous avez besoin d'un compte Gmail. Donc, vous avez besoin d'une adresse Gmail qui soit valide et deuxièmement, vous devez aller sur le site de PayPal en version française. Voilà, je viens ici sur la zone de saisie de l'adresse du site. Je vais saisir www.paypal.fr. Voilà, j'entre. Voilà. Je suis sur le site de PayPal en version française. Je vais descendre en bas. Vous cherchez PayPal Business que vous vendez à l'échelle locale ou internationale. Nous sommes là pour vous aider. Alors, je vais cliquer sur cet onglet ici, ouvrir un compte professionnel PayPal. Voilà. Après avoir cliqué sur l'onglet, on m'amène sur cette page où on va m'inviter de saisir l'adresse email qui sera utilisée pour créer mon compte PayPal Business. Alors, je vais saisir un compte que j'ai déjà créé et qui est valide. Ici, vous allez déterminer le mot de passe. Alors, le mot de passe ici, on vous dit, il faut qu'il soit entre 8 et 20 caractères. Vous devez utiliser une lettre majuscule et une lettre minuscule. Et vous devez aussi associer des chiffres. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre, par exemple, Manzambi. Il faut que j'active la vision. Je vais mettre Manzambi. Vous voyez que j'ai mis la lettre M en majuscule et les autres en minuscule. Alors, @1981 par exemple. Voilà. Donc ça, ce n'est qu'un exemple. Alors, je vais cocher, je certifie avoir l'âge légal, tout ça.
Voilà. Après, je clique sur continuer. Voilà. Alors, sur cette page, on va vous demander les informations concernant votre entreprise. Donc, nous sommes en train de créer un compte PayPal professionnel, c'est-à-dire qui est lié à votre entreprise. Donc, vous devez donner les informations concernant votre entreprise. Alors, ici, vous allez donner les prénoms, donc votre prénom, par exemple, Simon. Voilà, ici, je mets par exemple Manzambi. Dénomination sociale. Je mets par exemple Socérac. La dénomination, c'est le nom de votre entreprise. Voilà. Ici, je vais choisir les numéros de téléphone. Alors, je vais cliquer sur cette flèche ici pour choisir le pays dans lequel je réside. Je suis en République démocratique du Congo. Je vais chercher le Congo ici dans cette liste ici. Bon, je suis là, République démocratique du Congo. Je mets par exemple 89. Voilà. Ça, c'est l'exemple de mon numéro. Voilà, et les adresses sont là. Ce sont les adresses qu'on me sort par défaut parce que j'ai déjà créé un compte PayPal Business avec ces coordonnées ici. Voilà, après avoir terminé, les codes postales. Alors, les codes postales, si vous n'avez pas de code postal, ne vous en faites pas. Vous pouvez chercher sur Internet un code imaginaire, un code imaginaire ou bien un code de quelqu'un d'autre. Vous pouvez prendre les codes de quelqu'un d'autre qui réside dans votre pays et vous allez les saisir dans cette zone ici. Alors, toutes ces informations, PayPal ne vérifiera pas les informations. C'est à juste titre d'information pour vous permettre de créer un compte PayPal Business. Alors ne vous en faites pas. Saisissez les informations, même si c'est erroné. Alors PayPal ne viendra pas vous inquiéter pour savoir si vraiment les informations que vous aviez données étaient correctes. Voilà. Alors ici, nous allons cliquer sur valider et ouvrir les comptes. Alors ici, on me dit de décrire ma société. Alors ici, je vais cliquer ici pour choisir l'option qui convient à ma société. Alors, nous avons personne physique, entreprise individuelle, société. Bon, moi, je vais choisir une entreprise individuelle. Mot-clé du produit. Par exemple, quel produit que je peux imaginer. Par exemple, e-book. Non, on nous dit que nous n'avons pas trouvé, nous n'avons trouvé aucune correspondance. Alors, je vais dérouler ici service de programmation informatique traitement. Je choisis par exemple ça. Site, je peux mettre mon site web affaires tirer développement. Com. Nom des relevés des cartes bancaires. Voilà. J'écris par exemple Manzambi et puis je clique sur continuer. Voilà. Aussi, on me demande de donner la date de naissance. J'écris par exemple 4 janvier 1980. Alors, nationalité, je vais mettre Congo. Il n'y a pas Congo ici dans cette liste. Congo, oui, Congo Kinshasa. Et puis, les numéros de téléphone, on me demande encore les numéros de téléphone. Alors, je vais cocher la case identique au numéro professionnel. Alors, on va faire apparaître
automatiquement mon numéro que j'avais écrit précédemment, que j'avais donné précédemment. Alors ici, je crois que j'ai terminé. Je viens sur envoyer. Voilà. Tout d'abord, que vendez-vous? On me dit. Voilà, ça y est, j'ai créé un compte PayPal Business. Vous voyez ici, Simon Manzambi. Ça, c'est mon tableau de bord. Voilà, donc à partir de ce moment, vous allez commencer à utiliser cette adresse pour pouvoir recevoir le paiement venant de tous les sites sur lesquels vous faites vos business. Vous êtes youtubeur, vous êtes blogueur, ainsi de suite. Vous pouvez commencer à recevoir vos paiements sur ces comptes provenant de ces sites-là.